Eh bien voilà, c'est le début de notre voyage. Ce soir, eh bien on est samedi. Et ce soir, on prend l'avion à 21h pour Atlanta. On va passer une partie de la nuit à Atlanta. Après, on va faire Atlanta-Dallas. Et Dallas-Paris. Voilà. Et donc, là, je suis en train de mettre les valises dans la voiture. Parce qu'on va... On ne va pas à l'aéroport en voiture, en fait, on va à Flyaway. Flyaway, c'est un bus qui n'est pas très loin d'ici, qui nous emmène directement à l'aéroport de Lax, l'aéroport international. Et voilà, on va dire au revoir à la maison pour 2 semaines. Ah oui, ça, c'est la nouvelle voiture de l'oncle à Sean. Voilà, allez, moi je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Vous allez suivre notre voyage. Bon, et ben voilà, on est à Lax Airport, à l'aéroport international de Los Angeles, pour notre départ pour Atlanta. Et Sean est en train de... Pour Paris. Oui, pour oui, Paris, ouais. Bien sûr. Et en train de nous enregistrer sur l'automatique American Airlines. Voilà. Alors, on time. Los Angeles, Atlanta, Atlanta, Dallas, Dallas, Paris. Voilà, Dallas, Paris. Ah, on arrive à 9h25 du matin, lundi. Voilà. Et on est quel jour? Ben là, on est samedi soir. Ah oui, d'accord. Donc, c'est le... notre voyage, encore, il est 2 jours, là. Parce que demain, ouais, ben c'est ça. Demain, on arrive à Dallas. Et puis après, ben, on arrive le lendemain à Paris. Voilà l'intérieur du terminal de Los Angeles. Oh, c'est sympa, quand même, ce qu'ils ont fait, hein. Regarde ces écrans, c'est incroyable ça. Et puis là-bas, regarde. Voilà. Donc là, on devrait embarquer dans à peu près 1 heure, non, Sean? Ouais, dans 1 heure, voilà. Bienvenue à Atlanta. Ça, c'est le siège du manager. Comment? Bah... Et voilà. Bon, c'est vrai que... Donc voilà, après 4 heures de vol, eh bien, on arrive à Atlanta. Maintenant, eh bien, il va falloir trouver notre vol pour Dallas. Ah oui, là, je suis un peu fatigué, j'ai pas dormi. T'as dormi, toi, Sean? J'ai regardé un film. Ah ben oui, c'est vrai. Voilà. Et voilà. Alors, donc, on vient d'arriver à Atlanta, et bien maintenant, il est quelle heure, Sean? 4 heures? Oui, il est 4h30. Donc on va essayer de trouver un endroit pour prendre un petit déj, mais j'ai l'impression que tout est fermé. Hein. Ah non, c'est pas encore ouvert. Ah ouais, là, tout est fermé. Ah ouais. Donc là, on va se poser quelque part, charger notre téléphone, parce que là, mon téléphone est complètement déchargé, et l'ordinateur aussi, parce que j'ai travaillé sur l'ordinateur, c'était sympa. Voilà. Bon, ben, moi, je vous dis à plus tard. Voilà. Voilà notre avion qui arrive, mais à Dallas. Allez, vas-y. Arrive. Déjà, il est en retard. Hein. Voilà, c'est bon, c'est presque bon. Et voilà. Et ça y est. Voilà, donc là il va mettre les cales.
Ben ouais, parce qu'il ne faut pas qu'il recule dans un. Et voilà, ça y est, il a coupé les moteurs. Ils vont mettre la passerelle. Et là, on est un peu dans la merde parce que là, je crois qu'on va partir en retard. Là. Parce que là, il est en retard, le zinc. Alors, bon, ben voilà, ça y est, on est dans l'avion. On a 2 heures de vol en fait. Voilà, donc on se revoit à Dallas pour la suite de nos aventures. Bye. Yeah, et bien voilà, nous sommes enfin arrivés à Dallas. Un peu fatigué, non ? Tout petit peu fatigué, voilà. Un magnifique terminal. Là, on cherche un endroit pour aller prendre le petit déj. Starbucks café. J'ai pas envie de Starbucks. On va chercher le bon pain. Là-bas, ici, il y a le bon pain. Au bon pain. Voilà. Donc... Ah non, ils ont pas la brioche dorée. J'ai pas vu. D'habitude, ils sont, oui. Non. Et en plus, à la brioche dorée, généralement, il n'y a pas de brioche. Même en France. Même en France. Voilà, et bien là, on va changer de terminal. On va aller au terminal A pour prendre le petit-déj. Et bien voilà, alors là on est au petit déj. Et moi, et bien voilà ce que j'ai réussi à avoir. Donc un croissant qui a l'air potable. Que j'ai acheté à une espèce de coffee shop qui s'appelle La Madeleine, French Bakery Café, et le pain au chocolat. Mais alors par contre, le pain au chocolat, bon, ils ne peuvent pas s'empêcher de mettre du sucre et puis des amandes. Donc là, pas très bien compris le truc. J'appelle ça un chocolat de poisson. Et mon café, vous pouvez voir. Voilà, ça c'est pas un café de rigolo. Voilà. Donc maintenant, eh bien, j'attends Sean parce que Sean, où il est allé? Il est allé à McDo, qui est juste de l'autre côté. Là-bas, vous voyez, il fait la queue. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Voilà, là on est en train de chercher un endroit pour aller manger. Oui, vous allez dire qu'on prend ce qu'à la bouffe, parce que la dernière vidéo c'était pour le petit déj. Mais entre temps, on s'est reposé un petit peu. Voilà. Au thé, il y a aussi pas. Ah ouais. Bon, non, je préfère C. Le C, ouais, d'accord. Close. Et t'as un Chick-fil-A? Un Chick-fil-A, ouais. Et aussi Italian Kitchen, or Wolfgang Puck Restaurant. Starbucks, non. Voilà, on va voir. Il est beau ce terminal quand même. Je suis ici. Et vous vivez tout au long de mon appartement. Nous manquons en place. Ce par numéro de l'eau. Bien, voilà notre avion. C'est un Dreamliner, c'est un Boeing 687, en fait, le dernier né de la fabrique Boeing. Bon, ben voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure,
voyage se termine. On est avec Sean dans l'appareil. Comment ? Voilà. Sean me parlait, donc c'est pour ça que j'étais déconcentré. Et donc voilà, on est parti pour Paris. Donc on se retrouve demain dans la capitale. Voilà. Bye et puis merci d'avoir visionné toutes ces vidéos. J'espère que ça n'a pas été trop lourd. Voilà, à plus, bye bye. Et bien voilà, bien arrivé à Paris, Charles de Gaulle, après notre périple, Los Angeles, Atlanta, Dallas et Paris. Voilà, ça y est. Bonjour à tous, bonjour Paris. C'est la douane, quoi, la douane, surtout l'immigration française, la police. Alors Sean, as-tu bien dormi? Bon. Ben, moi j'ai bien dormi quand même. J'ai regardé deux films.